Bonjour, voici une petite vidéo rapide pour vous montrer quelques nouveautés et un peu de réassort. Donc les die-cuts que vous attendiez enfin sur la savane sont arrivés, ainsi que les papiers. Vous avez dans la nouvelle collection de chez Craft Consortium, donc on a Enchanted Jungle, donc ce sont des charmes dorés. Donc vous avez des panthères, léopards, tout ça. Donc cette nouvelle collection va arriver en boutique la semaine prochaine, mais déjà vous avez les charmes qui sont en boutique. Les fleurs de chez Prima, la collection des fraises, et de retour, elles sont vraiment très très belles. Vous avez cette collection aussi dans des couleurs nacrées qui vont s'assortir avec plein de collections, donc c'est 658-656 la référence. Au niveau des nouveautés, on a des pochettes de chez Marianne Design. Alors, il y en a 5 dans le paquet, donc c'est pour ranger vos dies ou vos tampons. Voilà, donc c'est très pratique comme pochette. Après, sinon, je vous ai fait un tuto avec la fuse pour faire vos pochettes aussi. Vous avez ça dans les tutos, autres tutos. Ensuite, on a donc le pick-up tool, donc une nouvelle version très très jolie. Vous voyez, avec des petites perles à l'intérieur, ça fait comme du Swarovski. Ici, vous avez donc l'embout pour attraper les sequins, les perles, les petites choses. Et ici, un petit pic aussi pour pouvoir aplatir une fois que vous avez collé les choses. Donc ça, c'est nouveau. Voilà, ça remplace l'ancien. Voilà, il est un petit peu plus cher, mais beaucoup plus fun quand même. C'est Dovecraft qui fait ça. Les dies de danseuse, donc c'est ce que j'ai utilisé pour l'album Le Cygne Noir. Donc je sais plus si c'est mardi ou mercredi prochain, vous aurez la vidéo de présentation de l'album qu'on fera en tuto pour le mois de septembre. J'ai rentré aussi des dies de bordure de mer, donc si vous voulez faire des cartes comme vous avez le tutoriel sur la chaîne YouTube dans la playlist des tutos carterie. Donc les tutoriels sont rangés par playlist, donc c'est comme une commode avec des tiroirs, et dans chaque playlist, chaque tiroir, vous avez la playlist qui correspond à une catégorie, par exemple toutes les cartes, ou alors toutes les choses déco, les embellissements ou divers, et une playlist par album. Comme ça, si vous avez 5-6 vidéos pour faire un album, elles sont toutes rangées au même endroit. Vous cherchez avec la petite loupe sur la chaîne Scrap Merveilleux, avec la petite loupe, vous tapez le nom de l'album. En général, c'est le nom de l'album du papier. Par exemple, ici, ce serait Jungle ou Enchanted Jungle. Et là, vous avez toutes les vidéos qui correspondent à l'album. J'ai rentré à nouveau les règles en centimètres et en inches, très pratiques, qui sont un petit peu agrippantes sur le dessous. Donc ça, c'est super pratique. Quoi d'autre? Au niveau des dies, alors j'ai rentré ces dies qui sont chez Marianne Design. Donc j'avais fait, si vous regardez sur le blog scrapmerveilleux.com, vous devez avoir un article qui parle des cartes à broder. Mais alors ça fait au moins 4-5 ans. Hein. Donc celui-ci, c'est une nouveauté. Donc c'est une bordure de feuilles de houx. Et donc vous avez également la découpe qui fait le contour si vous voulez faire une carte ou un album avec un bout de page découpé avec cette forme-ci. Et vous avez les petits points perforés pour pouvoir passer votre fil avec une aiguille à coudre et broder donc cette découpe. Avec, je vous offre une page, avec chaque dies, une page d'étiquette de jolis embellissements divers. Voilà, donc ce sera aléatoire, hein. Il y aura une page avec chaque dies qui sera offerte pour pouvoir faire votre carte. Donc vous avez également le magazine Marianne Design, donc puisque c'est une nouveauté dans la boutique, et dedans vous avez des explications pour faire ces cartes. Voilà, par exemple ici, bon, vous pouvez voir les photos sur le blog, mais vous voyez, la carte est brodée sur une découpe sur du papier blanc. Voilà, avec la découpe qui fait le bord, et vous pouvez faire ces jolies cartes. Donc vous avez les feuilles, la feuille à motif qui est offerte pour pouvoir réaliser
une jolie carte comme ça par exemple. Voilà pour aujourd'hui. L'album, le tutoriel de l'album sur les îles grecques, toutes les vidéos sont prêtes. Donc, vous savez, certains albums, il faut être client de la boutique pour recevoir les tutoriels. Donc, n'hésitez pas à me les demander si vous avez fait une commande dans la boutique. Voilà, après, vous avez plus de 300 vidéos qui sont disponibles gratuitement aussi sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Voilà pour le petit rappel. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Restez au frais. À bientôt.